C'est pas l'homme qui prend la mule, mais la mule qui prend l'homme. Ta ta ta. Moi la mule, elle m'a pris, c'était incroyable. Bon, concrètement, on en est aujourd'hui. Sur la mulasse, il reste pas mal de choses à faire. On va s'en occuper dans cette vidéo. Hors caméra, enfin sur Instagram, vous l'avez raté si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, mais j'ai remonté la voiture, voilà, parce que tout simplement, je ne pouvais pas sortir de chez moi. C'était trop raide et touché le carter, donc je ne pouvais pas sortir. Donc là, pour l'instant, je l'ai remonté d'un bon 4 cm, on va dire. Donc c'est sûr, c'est moins joli. Plus tard, on trouvera une solution pour la laisser tout le temps à ras du sol, quoi. Là, c'est temporaire, on va dire. Je suis allé rouler du coup avec. Pareil, vous l'auriez vu si vous étiez abonné à mon Instagram. Mais bon, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Si vous voulez voir des choses en exclusivité, n'hésitez pas à vous abonner à mon Insta. Mais voilà, les premiers tours avec les amortisseurs, je les ai faits sur Insta. Ça s'est bien passé. Elle est ultra raide. J'ai toujours ce problème d'amortisseur qui merde là. Donc TA Technics, je vous déconseille complètement. C'est de la daube infâme. En gros, TA Technics m'a dit d'aller voir un professionnel qui allait régler le problème. Sauf que, comme vous l'avez vu, la bague est coincée. Donc le professionnel va faire la même chose que moi, il va la couper et basta. Donc ils m'ont dit ensuite de me renvoyer l'amortisseur qui a un problème. Non, j'ai pas le temps de tout renvoyer, c'est mort, tant pis. On trouvera une solution pour réparer cet amortisseur qui merde. Sinon ça roule bien, Dodane ça passe maintenant qu'elle est relevée. Je suis même allé chez mes parents où il y a une grande descente pour rentrer chez eux et c'est passé. Encore une fois sur Instagram j'avais fait un sondage pour savoir qu'est-ce qui vous intéresserait le plus en vidéo ce vendredi. C'était hyper serré, c'était du 50-50 pratiquement. Je vous mettrai le sondage sur l'écran comme ça vous allez comprendre. Donc du coup ce que je vais faire c'est qu'aujourd'hui je vais tourner une vidéo sur la mulasse. Et demain je vais attaquer la remise en route de la 205. Voilà, donc on va pas en parler aujourd'hui, mais on va l'attaquer très bientôt. La galerie de toit, elle est là. Donc aujourd'hui, on va s'en occuper. On va régler ce problème de longueur et ce problème de pattes aussi. Et il y en a beaucoup dans les commentaires qui m'ont dit « Mais putain, retourne les pattes de l'autre côté. » Le problème, vous voyez, c'est qu'elle descend et ça part sur le côté. Donc si je prends la même patte et que je la retourne, l'angle de la patte, il sera comme ça. Donc ça sera plus bon pour la voiture, il faudrait que je la torde pour qu'elle soit dans le bon axe, et si je la tords, on perd en hauteur, si vous voulez, sur la voiture, et le milieu de la galerie va toucher le toit de la voiture. Donc non, c'est pas la solution. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais trouver des morceaux de métal là pour rallonger la patte et la retourner. Comme ça, on pourra la fixer directement sur l'auto. Je vous l'ai pas dit en vidéo, mais j'ai commandé les anti-brouillards d'origine qui se mettent dans le pare-choc. Voilà, donc si jamais je les reçois cette semaine, on pourra peut-être les monter aussi. Et je pense qu'on en aura déjà fait pas mal. Je pense que ça va être une vidéo, encore une fois, assez longue. Donc voilà concrètement où on en est aujourd'hui. On va aller dans mon garage, on va faire de la place et on va aller foutre la galerie de toit par terre pour qu'on puisse commencer à travailler dessus. Alors. Ouais, va falloir ranger avant, je pense. Hein. Dans la vidéo d'avant, je vous disais que le Solex était encore accroché au même endroit. Voilà, il est toujours au même endroit. Donc là, je vais devoir tout ranger avant d'attaquer la vidéo, bien ranger pour pas me perdre après. Mais en gros, on va faire la galerie de toit ici, ça sera parfait. À la base, je me suis dit, ouais, je vais faire un peu de place pour pouvoir travailler tranquillement. J'ai pété un câble, j'ai commencé à ranger un truc, un deuxième, un machin, et c'est parti en couille. J'ai tout rangé, tout frotté, voilà, donc tout est nickel. J'ai perdu une heure à tout ranger. C'est grâce à vous, si je décide de ranger des fois. Il faut que je vous montre un truc de fou. Quand j'étais en train de ranger, je regardais partout où c'est qu'il y avait des trucs à balayer, tout ça. Et je me suis rendu compte de ça. Là-bas, là. J'ai dit, c'est quoi ça? Je me suis avancé. Et là, j'ai vu des morceaux de briques. La maison est en train de s'effondrer. Complètement. Elle s'effondre sur mes affaires. Là-dedans, dans ce carton, il y a toute la derby complète en morceaux. Avec des carénages qui sont en bon état, il y a des morceaux de cailloux qui sont tombés dedans. Ça veut dire que si je soulève ce carton, je vais rayer tous les carénages parce que je suis sûr qu'il y en a 3 milliards qui sont tombés à l'intérieur directement.
Donc je pense que je vais pas tarder à vous préparer une vidéo d'adieu, parce que je pense que la maison va me tomber dessus. Voilà. On attaque ou pas ? Donc je vous explique le plan un peu à la Zob que j'ai imaginé. Je vais prendre ces quatre vis là, ici. Je vais couper les têtes des vis. Je vais venir mettre des vis dans chacun des trous des deux côtés. Et bon, je vais les poncer un peu pour pouvoir les souder. Et une fois qu'elles seront les quatre soudées dedans, je vais venir en fait enfiler les quatre côtés. Et si vous vous rappelez bien, ce morceau, il ne rentrait pas complètement en face. Mais si j'ai rentré celui-là, les deux autres, je pense qu'en tirant un peu dessus, je pourrais le rentrer à son tour là-dedans. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en gros, les vis, elles vont servir non seulement à rigidifier le bordel, mais en plus de ça, à venir m'aider à rentrer la partie tordue ici. Je vais le faire au fur et à mesure, vous allez comprendre mon bordel, je fais sûrement encore une fois de la merde, c'est pas mon domaine, mais moi, je pense que ça va fonctionner. On va déjà venir couper toutes les vis. Hop, je vais essayer de faire au mieux parce que j'ai toujours pas fixé, évidemment, mon étau. Voilà. Je vais pas vous filmer les quatre, mais vous avez compris le délire. Voilà, mes quatre vis sont coupées, elles sont prêtes. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup de tourée dessus pour enlever le... Vous savez, il y a une sorte de traitement dessus pour pas qu'elle rouille. Et je vais enlever ce traitement parce que je sais pas si on peut le souder ou pas. Voilà, mes quatre vis sont prêtes. J'ai fait un montage à blanc, mais en gros, voilà à quoi ça va ressembler. Il y aura que le bout de la vis là qui va dépasser. Donc là, vous voyez, je les ai posées juste comme ça. Pareil de l'autre côté. Bien sûr, je vais ajuster, hein, vous inquiétez pas. Mais rien qu'en ayant mis ces petites vis à l'intérieur, je peux corriger le décalage, vous savez, qu'il y avait par rapport à tout le reste. Et je vais couper un petit morceau de tube là, comme ça, pour venir combler le jour à ce niveau-là. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression que mon plan fonctionne. On va sortir le poste à souder. Et je pense qu'on va rigoler. Bon, vous foutez pas de ma gueule. J'ai acheté un poste MIG no gaz de chez Lidl Parkside. Il y en a plein qui vont me dire « Ouais, mais sans gaz, tu vas pas y arriver, ça va être dégueulasse. » Les gars, achetez-moi une bouteille de gaz. Ça coûte 250 balles une putain de bouteille de gaz. Pour le peu de soudure que je fais, je pense que ça fera l'affaire. D'ailleurs, je l'ai déjà testé sur un petit morceau de métal et j'en suis pas mécontent. Je soude jamais, donc c'est possible que le résultat soit absolument dégueulasse, mais on fera les finitions plus tard. Voilà, vous inquiétez pas. J'ai aussi acheté le casque automatique là de chez eux. Il est tuning, il est sympa. Je vais essayer avec ça. Si vraiment je vois que c'est la merde et que j'y arrive pas, dans ces cas-là, j'irai voir quelqu'un qui en a un et qui me filera sûrement un coup de main pour le souder. Mais j'ai envie de me démerder au maximum tout seul, parce que si moi je peux le faire, alors tout le monde peut le faire. Bon allez, on va tenter le coup. Je sais même pas si ça va bien fonctionner. J'ai passé un coup de lime à l'intérieur pour pouvoir souder les vis. On va en faire une première, on va voir ce que ça donne. Ah, je me brûle le bras direct. Ça se passe bien pour l'instant. C'est très moche. Mais ça tient. De toute façon, là, c'était juste pour tenir les vis à l'intérieur, le temps de souder tout le reste. Mais bon, pour l'instant, satisfait. On va venir poser, du coup, le morceau, là. Mon petit bordel est installé. J'ai coupé un tout petit morceau de tube, là, pour venir compléter ici. Il faudra d'abord que je passe un petit coup de nettoyage pour que ça passe correctement. Et voilà, au pire des cas, je le mettrai ailleurs, mais... Voilà, j'ai coupé un petit raccord pour remplir les zones de vide. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup de brosse. J'ai viré toutes les boules de soudure qu'il y avait autour, parce que quand je mettais la partie arrière, ça venait pas en buter, si vous voulez, à cause des boules. Donc là, maintenant, ça fit parfaitement, c'est nickel. Je vais faire la même chose de l'autre côté, et on va pouvoir commencer à souder la partie arrière, enfin. Avec la Dremel, je suis venu refaire le tour, ici, des deux côtés. Franchement, soudure Parkside,
c'est pas si dégueu que ça. Hein. Il y en a plein qui vont critiquer tout ça, mais écoutez, moi je suis satisfait pour une de mes premières soudures parce que j'ai beaucoup soudé à l'arc, mais au MIG, quelques fois, et en plus avec du gaz. On va y arriver. Allez, s'il te plaît, fais pas chier. Voilà. Yes, c'est bon, on l'a eu. On l'a eu, on l'a eu. Là, je vais y foutre une sangle pour rapprocher les deux parties à souder. Voilà, ça devrait le faire. Pas mal. Franchement, pour une première fois avec un MIG no gaz de chez Parkside, je suis plutôt content du résultat. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je vais vous montrer. Voilà les soudures que j'ai pas nettoyées. Bon, elles sont dégueulasses, c'est les premières que j'ai faites. Hein. Voilà, vous voyez, c'est vraiment le côté que j'ai commencé. Donc c'était pas parfait. Après, il y a eu la troisième qui était déjà beaucoup plus propre que les autres. Et perso, je trouve que la dernière, avec un MIG no gaz, c'est pas mal. Hein. Franchement, pour un amateur, même pas un débutant en soudure, qu'est-ce que vous en pensez, sincèrement? Moi, franchement, celle-là, hein, la quatrième, j'en suis vraiment fier. Hein. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer les soudures. Je vais essayer de les poncer pour que ça soit nickel. Putain, c'est encore chaud, sa mère. Donc, je vais essayer de les faire un peu plus propres que ça, en passant un coup de meuleuse, là. Enfin, un coup de meuleuse. Vous m'avez compris, un coup de disque abrasif, là. Et je ne sais pas si je vais vous filmer ce passage, parce que c'est pas très intéressant de me voir poncer comme ça. Mais je pense qu'on peut obtenir un bon résultat. On va voir ça. Bon, les gars, dites-moi la vérité. C'est dégueulasse, on est d'accord. C'est dégueulasse. Mais pour une première fois, et pour un rat, ça suffit pas? Sachant que tout le reste va rester rouillé. Hein. Et vu que là, j'ai poncé, ça va rouiller aussi. Donc ça devrait atténuer les traces de soudure partout. Bon, là, ce côté, ça a été la merde, hein, parce qu'il y a eu la double soudure. J'ai vraiment fait comme j'ai pu pour atténuer le truc. Mais malheureusement, il y aura toujours ce trait-là. Si je creuse plus, en fait, je vais enlever la soudure, tout simplement. Donc, tant pis, ça restera comme ça. Et ce côté, bah, écoutez, c'est pas beau. Mais c'est pas immonde non plus. Franchement, je suis assez content pour mon premier essai. Et de loin, ça se voit pas. Si ça se voit. Bon, c'est pas grave, dans tous les cas. Ça ira très bien avec le look rats final de la voiture. Bonne chose de faite. Maintenant, les fixations. Voilà, je suis venu retirer les 4 fixations d'origine de la galerie, là. Je vais les garder, parce que vu comme c'est branlé, je pense que ça peut resservir à l'avenir pour fixer autre chose sur la bagnole ou quoi. C'est cool comme système. Alors le but, ça va être de couper, du coup, les 4 pattes, de les allonger. Donc il faut que je trouve un morceau de métal pour qu'elles soient plus longues, et que je les retourne. Mais avant de les retourner, il faut que je change l'angle. De cette patte. Je vous dis la vérité, j'ai rien mesuré, je le fais à l'arrache, on verra bien, j'adapterai après sur la voiture directement. Mais on n'a pas fini. Donc voilà, ça c'est coupé. Maintenant le but, ça va être de les nettoyer, de les faire exactement les 4 de la même longueur, même exactement les mêmes. Et après je vais trouver un morceau de métal pour venir les rallonger ici. Voilà, j'ai regardé sur la voiture tout à l'heure, hors caméra, il faut que je mette bien 3 cm de plus de chaque côté. Putain, je suis en forme aujourd'hui. Pas mal, pas mal. J'ai réussi encore, avec beaucoup de chance et beaucoup de hasard, à faire exactement les mêmes pattes. Bon, peut-être celle de droite qu'il faut que je retaille un petit peu parce qu'elle est un poil plus grande que les autres. J'ai tout fait avec la meuleuse ici. Voilà, je me suis bien cramé les doigts comme il faut. Ouais, celui de droite qu'il faut que je retaille un petit peu encore. Mais putain, je suis en forme. Qu'est-ce qui se passe? On va rallonger les pattes avec cette barre de fer là, que j'ai trouvée sur une vieille clôture. Qui servait plus à rien, qui était complètement à l'abandon. Donc elle est bien rouillée, je vais la nettoyer avant. Mais c'est du truc d'époque, c'est du solide. Et on va s'en servir du coup pour rallonger la galerie.
Comme je vous l'explique, comme je le fais, on dirait limite que je suis un professionnel, que je sais ce que je fais. Mais là, depuis tout à l'heure, j'improvise, hein. J'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de mon trafic. Mais écoutez, pour l'instant, ça fonctionne. Pour l'instant. Mes quatre pattes sont terminées. Bon, elles sont pas sublimes, mais elles sont solides. Et en faisant mes pattes, j'ai eu une idée sympa. Et je pense que je vais pouvoir garder les fixations d'origine de la galerie pour pouvoir retirer la galerie quand j'en ai envie. En fait, quand je vais venir remonter mes pattes sur la galerie, du coup, elles seront dans ce sens-là. Mais le problème, c'est que si je les monte comme ça, en fait, la fixation va tomber sur le rail d'origine de la voiture. Donc j'avais imaginé décaler cette patte comme ça, pour pouvoir mettre la fixation d'origine de la galerie, et rajouter une patte de là à là, ou alors une patte avec un renfort, vous savez, pour pouvoir décaler en fait la fixation. Du coup, lui, il serait plus à l'extérieur que la fixation, mais je pourrais garder le système d'origine. Je pense que c'est une meilleure idée. Et franchement, Parkside, là, pour le coup, il m'impressionne parce que c'est propre, enfin propre à mon niveau, et c'est ultra solide. J'ai tapé dessus au marteau, tout ça, pour lui donner sa forme, ça n'a pas bougé. Merci Lidl. Ça fait déjà plusieurs heures que je travaille sur la galerie, j'ai vraiment pas l'habitude de faire de la soudure, tout ça. C'est très très long, j'ai même pas mangé pour vous dire, j'ai pas arrêté. Il pleut, génial, donc je peux pas aller faire mes trucs à l'extérieur sur la voiture. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, on reprend demain. On attaque le deuxième jour. Je vous avoue que je suis déprimé. Je viens de regarder la vidéo de Mad Forgedman. C'est un mec, il fabrique lui-même ses voitures sur YouTube. Je sais pas si vous connaissez. Il fabrique tout, mais de A à Z. Il prend la voiture de base, il la dépouille, il fabrique son châssis. Il fabrique tout. Quand je vois des mecs comme ça sur YouTube, je me demande qu'est-ce que vous foutez sur ma chaîne, putain. Le mec récupère une 205. Et il te dit, ouais, dans 2 mois, 3 mois, c'est terminé. Sauf qu'il fait tout de A à Z. Ça me déprime parce que je viens de passer une journée complète, hier, à m'occuper de cette galerie de toit, à faire 4 vilaines pattes et raccrocher un morceau. Qu'est-ce que vous foutez sur ma chaîne, putain? Je pensais pas que la galerie de toit me prendrait autant de temps, je pensais que ça allait être une histoire de quelques heures, mais non. À chaque fois que j'attaque une vidéo, je me dis, ouais, j'en ai pour 3 jours et je sors la vidéo vendredi, mais on va être encore à la bourre. Donc si la vidéo est trop longue, je pense qu'on la coupera en deux. Écoutez, ça fera plus de contenu. Du coup, j'ai eu la nuit pour réfléchir à la galerie. Et on va garder les fixations d'origine. J'ai pris une petite feuille blanche pour venir créer un patron. Voilà, une forme avec le papier pour pouvoir faire mes trous sur la voiture au bon endroit. Parce que je ne peux pas poser la pièce directement, sachant qu'il y a ce petit truc là qui dépasse, je ne peux pas. J'ai encore de la soudure à faire, mais là pour l'instant, j'ai envie de passer un petit peu de temps à la voiture parce que j'ai peur qu'il se mette à pleuvoir. Quoique si je fais les trous sur le toit de la voiture et qu'il se met à pleuvoir, c'est con aussi, quoi. À prendre un carton, ça sera plus simple. Je vais venir tracer le contour de la pièce déjà, sans bouger de préférence. Ok, donc ça, on a déjà la forme au moins. C'est vraiment aléatoire ce que je fais, mais ça devrait le faire. Non, c'est décalé. Voilà, je me suis fait mon patron dégueulasse. Vous devez sûrement rigoler de ma technique à l'ancienne, on va dire. Ou aléatoire, je sens que ça va le faire. J'en ai marre de parler, faut qu'on agisse. J'avais déjà fait des traits sur la voiture. Ouais, on le voit, voilà. J'avais fait des traits pour savoir exactement où tombe la galerie. On va venir poser les patrons de chaque côté. On va remesurer quand même que ça soit exactement les mêmes distances de chaque côté. Et c'est bon, faut y aller maintenant, on va percer. On est à 13,5, donc ici 13,5, ok. De l'autre côté. Ah, là c'est différent. 18,6. Maintenant, je prends ma pièce. Voilà, j'ai posé la trace de la fixation. Je vais faire exactement la même chose à la même distance ici, sur les quatre coins.
et on perce. Ce que je viens de faire, c'est vraiment du pif au maître. Mais vraiment du pif au maître. Allez, stop, on arrête de parler. Oh, je l'ai défoncé. Le problème, c'est que vu que j'ai appuyé sur le toit, il s'est déformé un petit peu. Ok. Est-ce que les vis passent? Ok. Donc les vis passent. Maintenant, est-ce que la pâte passe? Pifomètre. Mais ça passe. Allez. On fait le trou central. Encore une fois, vraiment au pif. Ouf. Ok. Donc normalement là ça devrait passer. Première fixation posée. Bon, je me suis décalé d'un demi-millimètre. Bon, c'est pas bien grave. On ajustera la soudure une fois qu'elle sera sur le toit. À l'intérieur, c'est dégueulasse aussi, mais ça participera au look rats de la mulasse. Écoutez, c'est artisanal, mais au moins, ça tiendra mieux que les fixations qu'il y avait à la base. Croyez-moi, là, on pourra rien faire. À part essayer de me l'arracher avec un tractopelle, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Allez, je fais les 4 hors caméra et on se reprend après. Bon, écoutez, j'ai posé les 4. Bah écoutez, je trouve ça plutôt propre, c'est nickel, il faudra juste que je mette un joint pour pas que la pluie rentre. Voilà, ils sont à la bonne longueur, à l'intérieur aussi c'est bon, j'ai mesuré, c'est nickel. Bon, faut pas que je prenne trop la confiance, parce que c'est quand je prends la confiance comme ça que je fais des conneries à chaque fois. Mais écoutez, première étape, celle que je redoutais le plus, faire des trous dans la voiture, bah écoutez, ça s'est bien passé. Bon, je vais venir mettre les pattes que j'ai fabriquées là, pour me donner une idée de la hauteur de la galerie. Après on va souder les pattes de la galerie et on va la poser juste à blanc comme ça pour voir, pour ajuster la hauteur. Et surtout, vu que là c'est penché en avant, là, la pâte elle va partir vers l'avant, donc il faudra l'ajuster, il faudra la poncer pour qu'elle soit dans le bon axe en fait, qu'elle soit dans le bon angle par rapport à la galerie qui elle est droite. J'avais oublié, mais il faut aussi qu'on fabrique les pattes pour les longues portées sur la galerie directement. J'ai posé les pattes, est-ce que vous êtes prêts? Mon dieu, putain que c'est moche. Après, je dis que c'est moche, mais ça ira très bien avec le style de la voiture à la fin, hein, vous inquiétez pas. Là, j'ai mis des rondelles parce que les vis sont trop longues. Donc c'est sûrement l'ancien propriétaire de la galerie qui avait mis des rondelles, donc on trouvera des vis plus courtes. Ce sera plus joli, je pense. Mais écoutez, les pattes sont fixées et croyez-moi, c'est du costaud. Ça bouge pas d'un pet. Je vais devoir les démonter plus tard pour mettre du silicone. Après, j'ai pas de silicone, donc je sais pas si je vais pas mettre de la pâte à joint au pire dessous. Ça devrait faire le taf. C'est industriel, c'est du fait maison. Je vais sûrement voir pour les finitions plus tard. Là, pour l'instant, c'est du montage à blanc. Hein. Mais écoutez, c'est monté. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. On va aller s'occuper de la galerie, on va lui faire les pattes pour pouvoir la déporter sur le côté, là, comme ça. La galerie, elle va arriver ici. Voilà, en fait, la pâte, elle va être déportée à l'intérieur de la voiture, mais la galerie, elle va arriver là, elle est presque aussi large que la voiture. Bon, je vous cache pas, ça fait des heures que je suis dessus. J'ai changé un peu les plans au niveau des soudures au fur et à mesure que j'avance, quoi. Et j'ai fait des pattes de renfort que je vais vous montrer de suite. Voilà, donc en gros, ça va être la pâte qui va être fixée sur la voiture, le nouveau support de la galerie, et ça, j'ai fait un renfort qui va directement sur la barre, comme ça, parce que j'avais peur que si un jour on met du poids dessus, la pâte se torde. Mais là, croyez-moi, là, ça tordra jamais. Et franchement, je pense que le jour où j'ai du bon matos, je pourrais faire du travail sympa. Parce que là, avec du Lidl, quoi, du Parkside, j'arrive quand même à avoir un résultat satisfaisant. Donc le jour où j'aurai du matos de qualité, on pourra vraiment s'amuser.
C'est le grand moment de vérité. Non. Non, putain, elles sont pas assez longues les pattes. Putain, mes pattes sont pas assez longues. Putain, je suis dégoûté. Pourquoi je me suis lancé là-dedans? Pourquoi, putain? Je vous avais dit que forcément il y aurait une couille, putain. Oh. À l'avant, on est pas mal. On est en face, on était en face, mais les pattes que j'ai faites sont pas assez longues. Putain, j'ai sous-estimé le truc. À la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner les pattes dans l'autre sens. Mais je suis... Mais attendez, je suis trop con. C'est pas ce que je voulais faire à la base. C'est moi qui ai monté les pattes à l'envers. Normalement, les pattes vont dans l'autre sens, putain. Je recommence. J'ai changé les pattes de sens. Normalement, ça devrait le faire maintenant. Là, on y est. Là, on y est. Là, on n'y est pas du tout. Là, je me suis planté complet. Je me suis planté au niveau des distances, putain. Je suis nul. Putain, qu'est-ce que je suis nul. Elle vous rappelle les souvenirs, cette bâche? Hein? Et des fois, je me dis que cette voiture-là, qui se cachait sous cette bâche, vous savez, cette voiture à 50 euros, elle aurait peut-être dû partir à la poubelle. Ah, bon, c'est sûrement la fatigue qui parle, la haine. Mais c'est bon, j'arrête pour aujourd'hui, je verrai demain. Come on, you young round dudes. Story I'll tell. The promise of heaven. Troisième jour, et ce matin dans la boîte aux lettres, j'ai reçu une petite lettre que je vais vous lire de suite. Salut la montagne, super projet que ta mule. Tu pars de loin, mais la progression est bonne. Je te souhaite sincèrement le meilleur pour ton projet automobile. J'espère te voir cette année. Tom. Je vais vous expliquer, si vous connaissez pas ce mec, c'est Tom Tom Voyage sur YouTube et sur les réseaux, Instagram, tout ça. Ce mec-là, c'est sûrement une des personnes que je respecte le plus au monde. Un mec qui a une paire de couilles qui s'approche des 20-30 tonnes, croyez-moi que quand il les pose sur la table, ça fait des dégâts. Il est atteint d'une maladie que vous connaissez tous, la mucoviscidose. Et malgré sa maladie qui l'empêche de faire beaucoup de choses et qui l'affaiblit énormément, il a entièrement retapé sa propre moto. Super Ténéré, il a acheté, c'était une merguez, et il l'a refait entièrement, sans être mécano, hein. Il l'a vraiment fait en tant que passionné. Donc déjà ça, c'est fort, mais en plus de ça, il est parti de chez lui en France, et il est parti au Cap Nord avec sa bécane. Donc pour ceux qui le connaissent, vous avez vu l'aventure sur Instagram, et là en ce moment il est en train de préparer des vidéos sur YouTube, tout ça. Ce mec-là, c'est une leçon de vie, une leçon de courage, et je tenais vraiment à vous en parler en vidéo parce que ça vaut vraiment le détour d'aller sur son Instagram, c'est là où il est le plus actif. Mais vraiment, gros soutien pour lui, et en plus de ça, il m'a envoyé le stickers collector de son aventure que je vais de suite coller sur la mulasse. Je te mets son Insta sous la vidéo dans la description. Je te conseille vraiment d'aller le voir. Revenons à la galerie de toit. J'ai eu la nuit pour réfléchir à ce problème-là. Et il m'est venu une idée toute simple. Je vais reposer la galerie sur le toit. Et je vais adapter encore une fois une patte sur la galerie pour arriver à la bonne hauteur. J'ai pas envie de tout refaire sur la voiture. Ça serait dégueulasse de refaire des trous, etc. Là, je l'ai posé vraiment... en équilibre. Le problème, comme vous le voyez, c'est que là, c'est complètement décalé par rapport à la patte que j'ai créée. Ok, jusque là, tout va bien. Mais le problème, c'est que ce côté, c'est encore pire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement refaire une patte à côté de celle-là, le plus proprement possible, on va dire. Comme ça, je vais rattraper le décalage que j'ai créé sans le vouloir. Et évidemment, je ne vais pas vous montrer cette séquence de soudure parce que je pense que vous en avez assez bouffé dans cette vidéo. Je vais la faire hors caméra et on se retrouve juste après. Voilà, c'est fait. Bon, finalement, je les ai modifiés à l'avant. J'ai fait une patte supplémentaire ici que j'ai ressoudée. Du coup, ça fait une longue patte, comme ça j'ai plus de marge pour les réglages, tout ça. Et là maintenant, derrière, ça tombe parfaitement. Donc là, ce que je vais devoir faire, c'est de venir mettre les pattes à niveau.
de la même hauteur des quatre côtés. Et on va pouvoir commencer à souder. Hein. Là, on est pas mal. Ok. Maintenant, la galère, ça va être de le centrer comme il faut avant de souder. C'est quand même important. Ok. Donc là, celle-là, il faut qu'on la décale un peu. 3. Là, derrière, on est bon. Écoutez, on va souder. C'est l'heure du grand moment. C'est parti. On peut plus reculer. Ça bouge plus. Je viens de penser un truc tout con, mais est-ce que le coffre s'ouvre encore? Vu que j'ai décalé les pattes. C'est au poil de cul. Hein. Allez, on est bon. Ah! Ça brûle. Ça y est. C'est réussi. C'est plutôt droit. Je suis assez content. Bon, après les barres que vous voyez un peu tordues, c'est normal, hein, c'est la galerie en elle-même qui n'était pas complètement droite. Elle penche légèrement en avant, mais c'est normal vu que l'arrière est surélevé encore. Ça... Je vais bouger toute la bagnole. Je vous avais dit, ça ne bougerait pas d'un pet, donc c'est nickel. Donc voilà, je suis désolé pour le grand soleil qui s'est levé, ça fait un peu cramer. Mais on a posé la galerie. Je vais faire les finitions hors caméra. Là j'ai fait du coup une soudure dessous, mais je vais en faire une derrière hors caméra, c'est pas très intéressant que je vous montre ça. Mais voilà, tout est soudé, je vais faire ça au propre, que ça tienne bien, que ça bouge plus jamais. Là, le coffre il arrive à ce niveau là, quand je l'ouvre c'est incroyable. Bon, j'ai oublié d'enlever l'antenne, mais l'antenne évidemment je vais pas la laisser dessous, je vais la faire passer comme au début là, style petite voiture Hot Wheels là. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai bien assez travaillé sur la Mulas cette semaine. Je devais même attaquer la 205 cette semaine, mais je pensais vraiment pas que cette putain de galerie allait me prendre autant de temps. Donc voilà, pensez à vous abonner si vous aimez mon travail, pensez à liker, commenter, même après les premières, parce que moi je sors mes vidéos en première, et quand vous écrivez dans le chat, ça compte pas pour mes vidéos. Donc après la première, si vous voulez me laisser un commentaire, c'est... parfait. Donc tout le reste que j'avais prévu pour la Mulas, on s'en occupera bientôt, très bientôt. La semaine prochaine, on va s'occuper de la 205, on va la remettre en route tout ça, parce que j'aimerais bien qu'elle roule assez rapidement, parce que j'aimerais bien m'en servir. Si vous voulez me soutenir pécuniairement pour mes projets, j'ai recommandé des stickers, s'ils sont disponibles, vous pouvez les commander. Le site, c'est oh-bordel.fr, je vous le mets dans la description dans tous les cas. J'ai recommandé une petite quantité de stickers, donc n'hésitez pas, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est le meilleur moyen de m'aider. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne soirée ou journée. Et à très bientôt.